de travailler sur les interfaces de jeu. Et donc en fait, j'ai fait en sorte que l'interface elle-même est le jeu finalement. Donc au début, on ne sait pas forcément. Ça commence simplement et on clique et j'ai fait en sorte de mettre le plus d'options possible, comme par exemple dans un RPG où on va sélectionner toutes les options qu'on veut. Mais au final, quand on sélectionne, ça nous amènera toujours au même endroit. Voilà. Et en fait, à la fin, on a un game over, donc c'est censé, du coup, le joueur peut se demander, mince, j'ai pas fait les bons choix, donc il va recommencer, et, sauf qu'il n'y a pas de bonne solution. Alors bah, normalement, si j'avais dans le but de, quand on clique sur le new game, de lancer un timer, bon, j'ai pas encore réussi ça. Et pareil, le timer, du coup, inciterait aussi à cliquer, bah, enfin, à aller plus vite pour faire ses choix, et si on va pas assez vite, ça emmène aussi à un game over. Et quand on essaie de quitter, ça recommence et ça remet sur l'écran.